Audio Jungle. Et ce ballon qui file jusqu'à Smolnikov. On va travailler, s'appuyer sur Samedov. Samedov qui veut centrer, qui centre, et le centre était bon justement, même s'il a été repoussé par la défense lituanienne, ça peut revenir, attention, il y a danger, avec le contrôle, qui le met dans le sens du but, et l'ouverture du score, la voilà, les Russes qui prennent l'avantage, par l'intermédiaire de Fedor Smolov, l'attaquant de Krasnodar, qui a 4 minutes de la fin de cette première mi-temps. Permet à la Russie de mener 1-0, cinquième but en sélection pour Fedor Smolov. Et le deuxième consécutif également pour lui sur ce centre d'un Samedov qui avait bien travaillé là pour réussir à s'offrir une position de frappe. On sent un petit peu plus de volonté de chercher le joueur démarqué derrière Smolov qui s'emmène bien ce ballon et qui réussit à tromper Cerniauskas. Ouais, c'est le contrôle qui fait la différence, qui lui permet de passer devant Cesnokis. Et les applaudissements de Leonid Slutsky. La récupération russe, ça peut aller vite avec l'appel de Kerzakov là-bas dans l'espace. Il peut contrôler Kerzakov. Si derrière il réussit à trouver les solutions, là voilà, il l'a trouvé. Pour le 2-0, signé Golovin, son premier but en sélection. Lui qui célèbre cet après-midi sa deuxième cape. La Russie fait le break avec un peu de réussite sur la passe de Kerzakov. Mais beaucoup de talent en revanche sur la reprise de Golovin. Et d'abord, il y a l'appel de Kerzakov qui se met évidemment dans le bon sens. Il a toute l'expérience nécessaire derrière l'équilibre parfait de Golovin. Alors que ce ballon est plus remis d'ailleurs par Mikouskis involontairement à Golovin que véritablement passé par Kerzakov à son jeune compatriote. Et l'attaquant du CS. Le corner qui était bien tiré, évidemment. Évidemment trop bien tiré, trop facile pour Glouchakov qui vient prendre ce ballon et le catapulter au fond des filets. Et petit message personnel en plus pour le joueur du Spartak qui est devant ses supporters, devant ses tribunes. Embrasse sa maman, 3-0 pour la Russie. Mais que de largesse là sur ce corner, il est tout seul. Glouchakov, il vient prendre le dessus derrière sur Mikouskis. Et bien dévié ce ballon, premier poteau. Ça commence à faire...